numéro 2, elle est partie. Ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui. 70, 80. Ah là. Normal, 90. Ce qui m'intéresse surtout, et regarde un peu ce que j'ai fait là. Ah oui. J'ai réparé le merdier, on va voir ce que ça donne. J'ai monté normal, 90, finale 65, finesse de bac. Atterrissage 60. Ah, par contre, ça, ça va. Alors. L'audio 3, 2, 1, top. On est parti sur 235. Comment on fait? Ouais. Mise en route. Prévoile effectué, barre de traction enlevée et le câble rangé. Document avion pilote rangé disponible. Siège réglé et verrouillé. Voilà, reparti. Volet. Rentrée, sélection. Cette fois, il n'y a personne derrière. Donc, poussé, ouvrier, mélange, château de Javel, serviteur électrique sur off, contact batterie sur on. Voilà, on a les plans, là. C'est testé. Oui, alarme testée, balise des batteries sur on, feu anti-collision sur on. La gueule du raciste là. Sur on, il a donné un gâchis, moteur. Il est chaud, je vais faire 1, 2, 3, et 1 cm. Premier. Mise en route à 15h24. Mise en route à 15h24, l'audio est bonne en termes de volume en tout cas. Il n'y a plus qu'à espérer que mon rafistolage tienne la route. Voilà le résultat. Problème, il venait de 10. Non. La 200, la Fox Québec Kilo. Bonjour. Fox Québec Kilo, là, bonjour, transformateur. Je vous écoute. Fox Québec Kilo à la pompe pour un vol local avec information hôtel. Deux personnes à bord. Fox Québec Kilo, transformateur 3720, roulez moins d'attente de 608 dur, rappelez près. Transformateur 3720, je roule en temps d'attente et je rappelle près. Fox Québec Kilo. Et pour l'attente 08 dur. Ok, moi je vais enlever ça parce que là je suis mort déjà de chaud. Donc Melun, après tu peux mettre à partir de Melun, tu peux mettre Montargis, l'FEM. Ça te va? Ouais, ouais. Ou alors tu peux mettre Melun, PU, on reste à droite du trait et de PU tu tires sur EM. LF, je vais mettre Montargis après. Comme tu veux. C'est juste pour attirer l'information. Ouais. LF. EM. E M L F E M. Ouais. Oui, Morio. Ouais. Et finalement, Nangis, c'est LFGK. Nangis, c'est LFGK. Pardon. L'Indien Fox, Golf Québec Uniforme, bonjour. Fox Québec Uniforme, bonjour. Que ce truc. Fox Québec Uniforme, Defex Anabole, nous demandons l'autorisation pour rouler à l'essence. Fox Québec Uniforme, roulez, quittez à l'essence. Barreau, nous roulons et quittons à l'essence. Voilà. Fox Québec Uniforme. 14 et essence. Et de Paris, essence. 14, 2 hectopascal de différence. C'est à blanc, là, j'écoute. Attaché à gauche. Fox Québec Uniforme, c'est juste pour dire qu'on roule depuis Paris Est pour l'essence. Bien reçu. Le nasal de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, rebonjour madame. Ah oui, d'accord. Ça fait un plan line, je vous écoute.
Le Fox Golf Mike X-ray Oscar, donc deux personnes à bord à l'essence demandent un roulage à vol à destination de Joigny. Fox X-ray Oscar, 37-21, roulez point d'attente piste 08-10 à peu près. 3-7-2, unité sur le transpondeur, je roule 08-2 et je rappelle près X-ray Oscar. Bonsoir, du Fox Golf Ninja Eco-Québec, bonjour. Fox Québec Ninja en correction, maintenez position, je vous rappelle, on va faire France Atten hélicoptère. Oh. Line de Juliel Victor, rebonjour, la 08 dur dégagé pour entrer à la glisse. Fox Juliel Victor, débutez le roulage, maintenant avant Tango 2. On roule et on maintient à Tango 2, Juliel Victor. Fox. Regardez, ça se dégage bien devant. Fox Québec, il fait. Allez-y, roulez rapidement et rappelez à l'essence. No GPS position. Léon, il est long à la détente aujourd'hui. Fox Québec, bonjour. Fox Eco-Québec, vous êtes bonjour. Fox Golf Ninja Eco-Québec, un PA-28 avec deux personnes à bord à Guillaumet. On demande le roulage avec info hôtel, point vol local sud. Fox Eco-Québec, transpondeur 37-22, faisait passage à deux appareils sur novembre, puis roulez point d'attente piste 08 dur à peu près. 37-22, on roule pour le point d'attente 08 dur et on laisse passer les deux appareils Fox Eco-Québec. Arrivera. Romain Delta, 08, dur dégagé. En tout cas, sur la carte. Fox Romain Delta. Oui, bien sûr, mais c'est quand même bizarre que lui. Parfois, ça prend un peu de temps, ça va arriver. Roulez, qu'on s'est collé. Romain Delta. Donc, les essais moteurs. Les moteurs poursuivés et quittés au parking. Donc, c'est dans le vert, 2000. Poursuivis, on quitte au parking, je vais 8 heures. Au revoir et merci. Fox Alpha Juliette. Piste 08 dur, dégagée, demande de roulage pour retour parking clair. Fox Alpha Juliette, vous les quittez à plein air, au revoir. Fox Alpha Juliette, je vous les quitte à plein air, au revoir. Fox Eco-Québec Correction, on fera le passage à un Robin suivi d'un Vélis sur novembre et derrière ces deux appareils, vous pourrez poursuivre et quitter et rouler pour l'attente piste 08 dur. Je laisse passer le Robin et le Vélis et ensuite je roule pour le point d'attente 08 dur en Fox Eco-Québec. Avant décollage, serrage de frein de parc maintenu, contact magnéto sur bof, batterie sur on, alternateur sur on, chargeur batterie dans le vert, réchauffe carbu poussé et verrouillé, mélange riche vers le haut, essence sur le plein, sur le central, autonomie calculée et vérifiée, je confirme, horizon artificiel stable sur les deux, altimètre c'est bon pour les deux avec deux QNH de différence, commande attention les genoux. Restriction Eco-Québec, je serai prêt. Donc, attention les genoux, hop, hop, ça tire dans le bon sens, libre et dans le bon sens. Compensateur sur neutre. Pompe électrique sur on, grande volée, un grande volée. Allumé, sortie et symétrique, la géomètre sur off. Éjecteur en place, ça c'est bon, relâche lâche sur on, ça sur on. Tout est sur on. Dans l'un, briefing décollage effectué. Donc je vais aligner sur la piste 08. Aligné, je vérifierai 082. Et 2200 tours, minute minimum. Ma rotation 54 nœuds, montée initiale 70. Au seuil de la piste gazonnée, je prendrai route 120. À 700 pieds QNH, je rentre les volets, je cherche 80 nœuds en cas de panneau alarme avant 54 nœuds, je réduis, je freine. Je sors par la gauche en cas de panne mineure, après décollage, je ferai un circuit adapté pour revenir sur la piste 08 toujours. En cas de panne moteur, je pousse sur le manche pour décoller, pour chercher un air dégagé devant moi. Vitesse de finesse max, 81 nœuds. Celui-ci en vent arrière 80 nœuds là-bas, en finale 65 nœuds, atterrissage 60. Au décollage, j'ai pas mal de vent que venant de droite. Donc décollage, manche à droite, je confirme. Hein. Oui. Une fois aligné, là, le vent sera de droite. Donc, de droite, donc manche à droite au décollage. On va attendre lui qui sera prêt. Donc on a dit juste de la 120, première altitude 1400 et première route dans les 150. En 52. Fox Mike Kilo Hotel, bonjour. Fox Kilo Hotel, allez, bonjour. Affaire de sang au parking technique en service de personnes à bord avec l'information hôtel copié pour un vol en direction de Malin, retour Colombier.
Fox Kilo Hotel, transfert 3720, roulez pour l'attente piste 08 du rapide près. 3720, je vous parle d'attente 08 du rapide, je rappelle près Fox Kilo Hotel. Alors j'ai entendu parler des lignes. Le Fox Québec Kilo, prêt au point d'attente 08 du rapide. Fox Québec Kilo, maintenant en point d'attente, la tour 118 décimale. Fox Québec Kilo, oui. Je maintiens en point d'attente. Le vent, il n'est pas, pas constant. L'on est solde X-ray Oscar, prêt au départ de piste 08, point d'attente 08. Fox X-ray Oscar, maintenant en point d'attente, la tour 118 décimale 6. Je maintiens avant point d'attente et je veille la tour 118 décimale 6, X-ray Oscar. Transpondeur 3730, VR 400, une personne à bord, en retour de vol local, secteur S pour une intégration. Fox Victor Novembre, appelé Echo. Je rappelle Echo, Echo Fox Victor Novembre, solo. Fox Québec Kilo, le Nutro, bonjour, trafic au Robin, milieu de base, prêt pour un immédiat. On est prêt pour un immédiat, Fox Québec Kilo. Fox Québec Kilo, ligne niveau piste 08 dur, autorisé décollage immédiat, en 162 Glen 9-2. On s'aligne, autorisé décollage immédiat, Fox, point 08 dur, Fox Québec Kilo. Golf Lima, finale, courte finale 08 dur. Fox Golf Lima, piste 08 dur, autorisé atterrissage, vent fort 60 degrés, 7 nœuds. Fox Golf Lima, GTRI 08 dur. Ah, pas là. Fox Hotel Sierra, rebonjour. Hôtel Sierra Leone autour, rebonjour, transpondeur 3731, je vous écoute. 3731, on a hôtel et on est à 5 minutes des installations, à destination de vos installations. Hôtel Sierra, rappelez Echo. On rappellera Echo, Hôtel Sierra. Fox X-ray Oscar Leone autour, bonjour, alignez-vous, piste 08 dur et attendez. Bonjour monsieur, on s'aligne 08 dur et on attend X-ray Oscar. Fox Victor Novembre, entrée et rappelez arrière main gauche, piste 08. Je rappelle vent arrière, main gauche, piste 08, Fox Victor Novembre solo. Ok. Hôtel Sierra, transpondeur pour nous, c'est bien 3731. C'est correct, Hôtel Sierra. Merci beaucoup. Les caméras sont check. On décollera, il sera 37. Oscar, piste 08 dur, autorisé décollage, vent 160 degrés, 7 nœuds. Bonjour, autorisé décollage 08 dur, X-ray Oscar. Le manche, là, le manche dans le vent, talon au plancher, plein de gaz, 2300 tours, badin actif, 54 nœuds, rotation. On est dans l'espace 120 et on part sous le ciel bleu. On a bien attendu comme il fallait. Ça valait la peine, t'as vu ça Johan? Concentration, route 120, avec le pied à droite. Et totalement ouvert maintenant. S&P QNH. Je rentre les volets, pompe off, checklist après décollage, volet rentré, pompe off, réchauffe off, les instruments sont dans le vert, et je continue à 1430. Fox Québec Kilo, trafic 10 heures de nautique, si on s'oppose. Nous avons un pilote super concentré. C'est cool, c'est ça. On n'a pas visuel, on a visuel d'un trafic un peu plus bas, Fox Québec Kilo. Oui, il est un peu plus bas en effet, 1200 pieds à présent sur votre travers gauche. Ouais, c'est bon, on a bien visuel, Fox Québec, merci. Monsieur Transpondeur 7000, quittez la fréquence avec un second trafic
départ 3 nautiques, droite, gauche, 200 pieds basse, en contact. 7000 longs, quitte la fréquence, on a copié pour un sort, que l'on reste encore visible sur celui-là, Fox Québec Kilo. Fox Québec, le New Tour, bonjour, alignez vos pistes 08 du retour des décollages, vent 160 degrés, signe. L'autre tour du Fox Québec, bonjour, donc on s'aligne et on décolle, piste 08 dur. X-ray Oscar, transpondeur 7000, quittez la fréquence tout à l'heure. 7000 à tout à l'heure, X-ray Oscar. Fox Hôtel Sierra, j'entends très mal. Derrière main de gauche, piste 08. Ah bon? Hôtel Sierra, on rappelle voilà, gauche, 08. Québec Kilo, c'est toujours l'écoute de Logne, le trafic précédemment signalé, 1h, 1 nautique droite, gauche, 200 pieds basse, en contact. Ouais, c'est copié, toujours pas visuel, Fox Québec Kilo. Attendez, c'est uniforme, bonjour. Fox Québec Kilo, uniforme, bonjour, trafic 11h, 1 nautique gauche, droite, même altitude, Robin. Les élections uniformes sont dans vos midi à présent, moins d'un nautique gauche, droite, Ah, bah là, c'est 121, j'ai l'air. Sur trafic X-Ray 100. Au-dessus, 3730. Voilà. Bon, ben, bah, on est loin du Broken 800 et 1200 à Belin, là. Ouais. À Belin de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Malin de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, en Robin DR-400 de Paris-Pont à bord en provenance de Lône à destination de Joigny. On est à 3 minutes de point de novembre pour en transit novembre et on a sorti par Le Mort à 1500 pieds dans le CDR, à 3 minutes. Malin de novembre sur la pointe de Micro-Méon, on s'aligne sur la 10 et on décolle. Bon, c'est beau tout ça. Donc, essence, ça c'est bon. Je vais mettre pompe sur on et je vais faire un réservoir droite, ok? Ouais, droite ou gauche comme tu veux. Ok, réservoir droite. Ça, c'est bon, il est à 40. Là. Ok, je note ça. Et je corrige l'altitude, je descends un peu. Voilà. 15h40. Ça. Donc moi j'ai noté qu'on repasse sur le central en gros quand on a fait le dernier point tournant. Oui, 40 plus 30, ça fait 16h10. 16h10, je repasse sur le central. Ok. Ok. Donc la pression maintient, j'ai tac, c'est bon. Ah oh, c'est beau dit. On n'aurait pas cru tout à l'heure, hein. Ouais. Marc, c'est ce que disait le taf de PO, hein. Mais là, tu vois, là, c'est pas très haut, et... Ouais. Ça fait une belle rue de nuages, en fait, là. Allez. Un instant contemplation, on dit plus rien. Alors là, j'y crois pas, là. Comment ? Mais j'y crois pas, tellement c'est bien. Marc, tu me diras, c'est logique, hein, c'est ce qui était prévu, mais... Bon, oui, mais on s'attendait tellement à partir avec une couverture que... Mais avant, tout est comme ça, maintenant, il y a quelques feuillages comme ça, mais avant, tout était comme ça. Donc là, j'ai à 1400, mais avant, tout est comme ça, à 1500, c'est limite. Ouais, ouais, tout à fait. Là, de X-Ray Oscar, on est vertical... Point de novembre, 1400 pieds et on transite dans cet air 1400 pieds jusqu'à bord de Melun, X-ray Oscar. Non, on voit, ici on voit grand pluie là-bas. Pas dans l'axe. Est-ce que tu connais la fréquence de vent de Melun? Melun? Non, pas du tout. Bon, alors je vais sortir la carte. Hein. Melun, du fois que Mike est le bonjour. Alors, Bino Bonovo... Mais non, évidemment, il est de l'autre côté. Ah non, il est là. De actuellement à 3 alors, attends, minutes où est-ce que ça indiqué là-dessus? Pour un voilà, Belin, 113-6. Combien? 113-6. Unité 3-6. Paramètres météorologiques de Meller-Villaroche. Vent
unité, unité, 0 degré, 8 nœuds. Visibilité instrumentale. Unité, 0 degré. Bah bientôt, on est le voir, le là. Alors là, c'est le voir, là, quelqu'un a appuyé sur la fréquence plusieurs fois. 100 pieds. Température, 2, 0. Ah oui, d'accord, ok. Point de rosée. Unité. Au moment où je t'ai vu basculer sur le bord, j'entends rien, j'ai pas envie de poser. Unité 4, QFE. Alors. Unité 0, 0, 3, QFE, seuil piste 2, 8. Unité 0, 0, 3, QFE, seuil piste, unité 0, unité 0, 0, 3. Ah, c'est bien, ça s'est arrêté. Alors donc on a un visuel sur Grand Puits. En plus, l'atmosphère est stable, c'est bien. Ouais. Ah, puisque je bouge pas à la caméra. Ah, c'est Nangis là-bas, le vide. Ben, c'est Grand Puits, donc Nangis, oui, j'ai derrière légèrement à droite. Ou non, légèrement à gauche. Ou donc, ouais, dans notre axe maintenant vers. Ouais, on va dans la... On va à l'usine. Ouais. Ben, en fait, c'est la raffinerie. C'est une des deux qui n'était pas en grève là, ces derniers temps. Ok, après le bord, tu commences la navigation, tu me diras. C'est ça. La tour de Moulin. En fait, non, tiens, t'as la carte, tu roules. Moi, je filme. Ah bon, ça, donc. Sinon, je vais jusqu'à. Une rébellion. Bon, Montargis, après, comme c'est dans le GPS. Melun de X-ray Oscar, on transite 1400 pieds, on coupe l'axe de votre installation et on continue vers le bord de Melun à 1400 pieds, X-ray Oscar. Bonjour du Delta 2 fois, il y a un appareil là. En Pologne, on approche du point de novembre, on dépasse le HR200 par en dessous à droite et on va 1400 pieds vers Vosvicomte. J'ai copié, on va aller à Vosvicomte aussi, mais des contrôles derrière vous, tout à l'heure. Alors Vosvicomte est quelque part à droite là, mais je le vois pas. Il est vieux. Ah si, il est là-bas, ouais. En bout de tiens. Bon, pas trop la peine de zoomer, mais bon. Parce que d'habitude, on a l'habitude de sortir par novembre. Ouais, c'est ça. On passe vertical à Vosvicomte. Ouais. Là, on est un peu vers le bord, donc c'est pas pareil, mais tout à fait. Ouais. Pour le glaçon du nord, pour le point de glaçon. Oh, regarde, mais tiens, Blandy-les-Tours, magnifique. Ah oui, j'ai jamais. Si, je l'ai déjà vu, ouais. En rentrant, je l'ai déjà vu, mais. C'est vrai qu'on passe vraiment près, là, j'y ai plus pensé du tout. Plutôt que de focaliser sur l'autre qui était à 3 km. Bon, c'est pas grave, on l'a vu. On l'a vu. Voilà, et on le voit encore. Donc après Melun. Donc après Melun, ça sera vers l'est. Et à quelle fréquence? 134.3. Blandy-les-Tours, bien éclairé, c'est magnifique. Là, il y a une ville, je décale un petit peu à droite. Il y a quoi? Il y a une petite ville là, je l'évite pour ne pas gêner. Ça s'appelle le Châtelet-en-Brie, mais c'est... ouais. Et quand on passe le Châtelet-en-Brie, on est sur la sortie de Melun en fait. Ouais, tu peux même te décaler encore bien à droite, hein, sinon t'es dessus. Passons, si tu vises la sec, c'est bon parce qu'on va dessus alors. Vas-y, 20 degrés à droite là. Sécurité, il n'y a personne. Ok.
Confirmé à personne. Il passe un peu dessus encore. Donc la ville de Belin. Le point Sierra Mike, juste là-bas. Ouais, alors dans le soleil, c'est pas top. Vraiment pas top. Ouais, en gros, c'est là où il y a de l'eau. Voilà, de... Tu m'entends bien, Yann? Oui. Je suis au 1er novembre, à 1500 pieds dans un bar hôtel, à 1400 km. Alors, on le voit bien, là. Je tire sur Logne, LFL. Ok. Je vais aller chercher le vent quand même. Donc, et... Non, c'est pas forcément la peine, on va le voir, il est quelque part à gauche là, tiens, je crois que je le vois là. Tu vois les, le marron, t'as du marron, du vert, et le vent il est sur le vert clair. Donc tu peux te mettre tout droit là, ouais. Tu vises entre les deux forêts, et après ça sera derrière à droite, on va chercher okay. À prendre l'eau là-bas. Mais j'ai pas vu le vent, t'as dit... Là, à gauche là. Un petit arbre isolé. T'as des maisons, le champ un peu oui, légèrement isolé, je pense que je vois, ouais, je 100 mètres derrière. Je pense que c'est ça. Ok. Melun de X-ray Oscar, on est niveau bord de Melun, on quitte votre zone, on quitte la fréquence et on continue vers Joigny. Bon après-midi, bon voilà tout, au revoir. Bonjour. Melun de France et Delta. 4-0 unité. Voilà, donc là tu te mets là comme ça. 4-0 unité. Correct, tu vois l'arbre en jaune là. Ouais. En gros tu vas tourner au-dessus je dirais. Fox bravo Charlie. Alors attends j'essaye de me repérer. Fox bravo Charlie sur 5, ouais. Tu vois la ville comme ça là qui est ici là. Bravo, au bout de mon doigt là. Ouais. Bah, tu passes sur la forêt qui est juste à gauche. Voilà, ah, je vous ai mal juste à gauche. Plus, après la ville, elle est ouais, après par les, tous les espèces de bâtiments que ça fait, là, il y a une grande forêt qui te met dessus. Ouais. Ok, je passe mon... Voilà. Tout à l'heure, j'étais au 118-890, mais moi, j'arrivais à vous avoir, mais pas vous. T'as du vent de gauche, là, ouais, léger. Aussi, bravo Charlie, vous pouvez retenter, je crois que je vous avais entendu, là, quand même. Voilà, tu te mets bien à plat. Bravo Charlie, sur le 38, tu prends le poids. Oui, je prends 5, bravo Charlie. Bravo Charlie. C'est une info de Fox Golf Mike X-ray Oscar, bonjour madame. Fox Golf Mike X-ray Oscar, bonjour. Le Fox Golf Mike X-ray Oscar, en robin DR400, deux personnes à bord, en provenance de Logne à destination de Joigny. On va faire un petit tour, ensuite on va en direction de Joigny. Pour information de vol, s'il vous plaît. Fox Golf Mike X-ray Oscar identifié, transpondeur 7030. 7030 sur le transpondeur, merci madame. Saint bonjour, Ryanair 7 Yankee Romeo, descending 1102 Calon. Ryanair 7 Yankee Romeo, good day. Là, il y a du champagne sur cette, non 6-0 on the 3-1 Alpha arrival for ILS 1-0 at 23. Là, c'est Fontaine Blue avant. Descend 6-0. And 3-1 alors tu vois là où il y a des bâtiments espèce de champ vert là tu vises ici ouais. Et ensuite tu te mets parallèle ok et on va voir le château qui okay. Est super bien éclairé en plus 500 pieds c'est nickel voilà à plat c'est là, droit Juliette Juliette écoute on a fait 2 pour un retour en direction du terrain de Saint-Pierre Saint-Pierre Juliette ok. Dis donc, j'avais jamais vu là. Un joli viaduc. Enfin, viaduc. Ok, encore 20 secondes. Et une route en dessous, tu te mettras parallèle. Je regarde, je vois pas d'avion. Mais sinon, il y en a qui coupent, tu sais, nord-sud ici. Hein? Voilà, tu peux te mettre parallèle. Bonjour. Impeccable, voilà. Fox Golf India Eco Québec, un PA28 avec deux personnes à bord en provenance de Lonne à destination, enfin en vol local. On arrive au secteur ouais, bah, d'Angers, il y a 1800 pieds pour avoir l'info de Saint-Pé, s'il vous plaît. Fox Golf India Eco Québec identifié, transpondeur 70-30. 70-30 Eco Québec. Ok.
voilà le truc dont je te parlais, la carrière elle est là, donc tu peux prendre la route parallèle à la route. Oui, on est super vu sur le château. Fox Victor, recontactez-moi sur fond 18 décimal 050. 18 050, Fox Victor. Donc tu peux serrer bien à gauche. Hein. Bord et de Fontainebleau à droite. Hein. La carrière, je vais. Non, tu prends la ville, là, comme ça, tout droit, là, vers le sud. La Nebourg en face de toi, tu vises Nebourg. Voilà. Alors, on a un petit château à gauche, là, ou quelque chose qui ressemble. On va essayer de le voir. Donc, on a la clairière. Tu vois la forêt qui est au milieu des champs, là? Ouais. Une fois que tu as passé la ville, tu te mets dessus. Et tu pars comme ça. La grosse forêt ronde que ça fait au milieu, là, derrière le champ marron foncé. Donc là, c'est Bourg-Marlotte, avec Montigny sur Loing qui est juste à gauche. Sandy, Fox, Golf Mike, Papa Mike, rebonjour. Grosse carrière. On est vers les Rennes, pour Adolphe. Fox, Golf Mike, Papa Mike, bonjour, identifié radar, je vous rappelle pour poursuivre la contact. Bon, on va essayer de voir cette... enregistrement d'image fixe indisponible, je m'en fous. Donc si on continue à gauche, on tomberait là-bas tout droit sur sur Morey-Épizy. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de cibler justement tout ce qui est en dessous, là, tous les grands, ouais. Tous les grands étangs. Donc vas-y, décale-toi de 20 degrés à gauche, encore un peu. Et après, de toute façon, on tire là-bas, donc c'est bon. Ils sont bien éclairés en plus, c'est génial. Ok, super, merci. Parce qu'en fait, quand on fait la formation, on passe pas forcément loin. Ouais. Donc, 182 Mike Romeo, on a rarement l'occasion de voir les étangs. Pour passage vertical, et vous me recontactez de haut son train après. Donc, Morey, ici, c'est en basse. On passe sur Étampes et on vous recontacte après, Mike Romeo. Ouais, joli. C'est Papa Mike, on t'aide plus de 3000 pieds. Bon, 3000 pieds, Papa Mike. Ok, tu peux virer à droite là-bas. C'est l'info devant vous, Charlie, à 4 minutes de Saint-Florentin pour quitter la fréquence. Bravo Charlie, transpondeur 7000 quitté, au revoir. 7000 transpondeur, merci, au revoir. Nebourg, hein. On est déjà ici. Voilà. Donc la carte qui refuse de rester en place. Voilà, c'est très bien. Comme ça, on évite la ville qui est là. Enfin, les maisons qui sont là. Alors, on vient de passer au-dessus des étangs qui sont ici. Et on va tirer par là-bas. Et j'allais dire, on voit l'autoroute. On voit l'autoroute. Donc en gros, une fois que tu as passé cette ville-là, en dessous là, tu tires à droite, tu vers l'autoroute et tu vises les espèces de deux bâtiments qu'on voit en blanc là-bas. Okay. Et on va longer le loin comme ça. Okay. Et on sera loin de la ville. Moi je vais checker le truc parce que ça me paraît bizarre quand même là. Écho Charlie, je vous rappelle. Voilà, 1, 2, 3, ouais, tu continues là. Et moi quand je pars, ouais c'est bon. Et c'est radio, c'est bon. Ouais c'est bon. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a mon casque, mais j'entends pas très très bien. Oui, moi aussi c'est pareil, je suis étonné, on est à 80% pourtant. Pas plus que ça. On est à 90%. Voilà. Tu peux viser les espèces de chiffres. Ça va? Ouais, c'est le débat.
Novembre, le largage approuvé, un trafic qui va arriver travers sud de, du terrain d'ici 5 minutes, sans information. Ouais, c'est reçu pour le trafic au sud, il passera à combien d'autres de Montargis, vous estimez? Donc voilà, on est sur la ville de Neubourg à droite. Il passera 3-4 minutes. Je suis à la main. Prochain repère visuel qu'on aura, ça sera l'échangeur. Alors le loin, il est pas gros manifestement. Ouais, tu peux prendre 20 degrés à gauche. Tu vois le loin qui est là-bas, l'eau. Tu vises l'eau maintenant. Ouais. Papa Mike, direct Avlon, montée niveau 6-0. Avlon est gentil, on fait que ça parle. Voilà, on est par là. On a une autoroute qui part à gauche, et une séparation. C'est l'info de novembre 182 Micro-Méo. Novembre 182 Micro-Méo, bonjour. D'accord. Ok, Jawa, ouais. On vient traverser la zone des temps, on revient avec vous. Ok, ben voilà, on a le loin. Allez jusqu'à Chartres. Bonjour Mike Roméo, donc restez sur cette fréquence et au cas où vous me perdiez en proximité de Chartres, j'ai pas vraiment une fréquence qui marche, vous pourrez passer transpondeur à cette ligne si vous je ne vous retrouve plus. Roméo, je vous reçois pas très bien là déjà. Bah, du coup, si vous souhaitez dès maintenant passer à transport vers 7000 et quitter la fréquence. Romeo. Voilà, tu vises le toit des hangars là. Écho Charlie, ouais. Bonjour. Et tu passes au-dessus du toit des hangars, comme ça on sera à bonne distance. Écho Charlie, bonjour. Après, justement, quand on aura passé cet endroit-là, on saura sur la sur l'échangeur. L'échangeur ou le péage, je ne me rappelle jamais ce que ça veut dire sur cette carte. Enfin, ce péage. Enfin, une grande zone sur l'autoroute, quelque chose, tu vois, comme oui, ça. C'est péage pour moi. C'est un péage, je pense, ouais. Pour celui-ci, là, c'est un péage. Ouais, c'est ça. Oh, ben voilà, alors. Ouais, ben c'est ça, alors c'est qu'on est par là, alors. Au nord de votre trajectoire, sur le terrain de Montargis. Okay. Et donc, je suis toujours en attente pour vos intentions, parce que... Encore 9 minutes pour changer de réserve, mais pas 8 minutes. Je suis pour le Lac 8 descente. Fox Victor, vous souhaitez passer VFR? Affirmons, on souhaite passer VFR. En reçu, après la petite ville, IFR annulé dès maintenant, il est 14.01 et transpondeur 3450. Et donc vous êtes maintenant VFR sous plan de vol. 3450 VFR sous plan de vol, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe à gauche un petit peu? Destination à 14h15. 14h15, c'est noté, et donc restez un peu avec moi en fréquence. Et pour information, donc vous avez le largeur qui est en descente gauche-droite voilà. Pour deux nautiques. Donc maintenant tu peux virer comme ça là, à droite, tu vois, comme ça à droite là. On va rouler cette île et après on va repartir à gauche. Voilà, et on verra à droite et on va aller à gauche. C'est comme un... Donc je confirme le transport. Comme un grand ville, ouais. Pour aller à gauche, on verra à droite. C'est ça. Runway 10. Ah ouais, il y a des trucs à filmer là. Il est là-bas d'ailleurs, je vois l'autoroute.
Bon, alors. Radar 7 Yankee Romeo. Maintenant qu'on l'est sous le soleil, c'est bien. Echo Charlie pour passer avec la TMA d'Orléans. Echo Charlie, les TMA ne sont pas actives aujourd'hui. Donc si tu peux passer juste là à gauche en serrant la vitre comme ça, moi je verrai les étangs qui sont en dessous, c'est bien. Fais gaffe, il y a des maisons. Je te laisse apprécier parce que je vois pas bien. Hôtel Oscar, le 105, pas de trafic connu à vous signaler, rappelez avant de larguer. Pas d'avance, Hôtel Oscar. Fox Bravo Zulu en sortie, transpondeur 7000. Bon, je peux pas faire un plus, il y a un vide. Alors vas-y, vire à droite alors. C'est un info largueur extrêmement, point de largage, descente Montargis, contact radio avec Romeo Victor à destination Montargis. Reçu X-ray novembre, donc on est sur le chemin de fer. Position, ouais, c'est ça. Il y a un chemin de fer et un retour, ça fait. Donc, donc là, on est ici, on sert juste là. Donc tu vois, t'as l'autoroute là. Donc dès que t'as plus de fil à ta gauche, tu prends plein ouest, plein est. Ok, avant d'arriver à Montargis. Avant d'arriver, ouais, ouais. Avant d'arriver à l'autoroute même. Hein. Victor, je vous rappelle. Dès qu'il y a un trou. Sur l'eau, ouais, c'est là. Dès que t'as un trou, tu viens à gauche, sur la Floride. Au niveau de là, le pont, je pense. Là, il y a un pont avec l'autoroute qui est sur le pont. Ouais, ouais, même avant, même avant. Là, il y a des villes là. Ok, bah écoute, tu viens quand tu peux. Donc, dans une minute, en moins de l'enfant, c'est bon. La verticale, tu vois. Ah, donc je tourne à gauche là. Ok. Fox Uniform Kilo, reçu 7000 transpondeurs, peux quitter, au revoir. J'en passe, transpondeur 7000, merci, au revoir. Fox Papa Mike pour un. Donc on a Montargis et on passe les 04. Fox niveau 8-0 maintenant et là direct Moulin. 8-0 vers Moulin, Papa Mike. Donc là. Fox Papa Mike, recontactez-moi sur 118. La route, c'était du 83 là. Et 18-890, c'est pas parfait. 83, c'est bien à gauche. Hein. Voilà. Donc en fait, si on veut pas louper le point tournant... Média Roméo, pas sorti de l'Union pour la descente. 83, Yoel. Comment ? 83. Voilà, 83, je tourne. Hein. 32 à gauche. Là, tu peux prendre à 60. Alpha Victor, bonjour, je t'écoute. Tu vois l'espèce de fer là-bas que ça fait, là, tu vas dessus là-bas. En provenance de Pont-sur-Yonne, direction 3. On est en montée vers 3000 pieds pour faire des exercices de maniabilité. Donc, c'est pas Victor identifié, transport vers 70. En fait, on va s'aligner sur le point là-bas. Un DR400 en route sur le quai, quel point? Là, l'espèce de bâtiment. C'est là, c'est en blanc? Ouais, ok. 70-50, on va essayer de prendre la vitre comme arrière-plan, tu sais, et à ce moment-là, quand on l'a dans le 2, hop, 0,83. 300 pieds plus haut, c'est reçu. De toute façon, c'est pas compliqué, on va vers les bâtiments qui sont là-bas, alors je sais pas encore lesquels c'est exactement. Ça nous rend le largeur pour quitter. Donc t'as vu, à Montargis, il y a de l'activité. Hein. Hein c'est un info de X-ray Juliette. X-ray Juliette, je vous écoute. Oui, on va se poser avec temps. On reçoit X-ray Juliette qui est copié, 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter la fréquence, plusieurs trafics dans le circuit, on peut voir. 7000, on va la température de pression dans le vert, pression de l'essence dans le vert, là encore 2 minutes. De nautique, c'est un vert qui s'en fait les voies d'essence fermées, plein riche. On ouvre le Eco-Québec, on va pas le visuel. Papa Mike, pour rester radio. Papa Mike avec vous. Ok, c'est ce que je pensais. Donc la ville qu'on voit à bas à droite, c'est Courtenay. Là-bas, on a des espèces de grands trucs qu'on a au sol, là. Ce sont les grands hangars qu'on n'est passé pas loin l'autre fois quand on est allé chez Olivier. Donc le point qu'on vise, et dans la forêt, quelque part en face. Donc en gros, quand t'as la verticale de celui-ci, tu le mets sur un 0,90. Et on y en ajoute un. Parfait, vous passez bien 7000, ça voudra dire que vous avez quitté pour moi. Sachant que... C'est 12 nautiques. Donc ça fait vers 10 ans. Un Fox Papa Mike pour qui la montée. Montée pardon initialement 80, je vous rappelle pour tout. Bon, t'as vu, facile. Comment? Facile, je suis gros le loin. Papa, mais j'entends très mal la. Donc ça fait Victor le DR400 précédemment signalé, maintenant nord position. Alors en fait, le problème c'est que ça vient du volume qui est là. Il est réglé pour lui, mais pas pour nous.
Fox Bravo India, trafic Grégory, ça donc là, on est vertical, le point que tu as choisi. Ok. On a 6 UL Fox Bravo India. 0,90 alors. Ouais, c'est Fox Hotel Lima, Hôtel Charlie, avec un P2010, une personne à bord, en provenance de Périgueux, à destination qui m'intéresse, de Grenoble, hein. Et okay, reste Fox, ça ne fait rien. Reçu Hôtel Charlie, bien le transpondeur 7050, identifié. 7050, Hôtel Charlie. Vous avez un peu de place pour Bokio? Alors oui, j'arrive d'ici 30 secondes, je poursuis la montée, vous êtes encore sur les arrivées de Bokio. Et donc Fox Solicitor, j'ai copié que vous aviez quitté la fréquence, 7000 au transpondeur, et vous pouvez poursuivre avec 129 suite au CR1 pour moi. C'est bon, info, du Fox au Québec, on passe quelques instants avec... Ouais, ça m'a l'air d'être bien là. Au Québec, vous pouvez quitter, vous me rappelez de retour. Donc en fait, ce qu'on va avoir... Bon, on vous rappelle, ça va être des étangs. Ouais. Donc nous on va se mettre juste à gauche des étangs. On aura le domaine de Quercy. Et dès qu'on a passé ce domaine là, 130 degrés à droite. Et on passe à proximité de chez Olivier. Je prolonge encore deux petites minutes sur le réservoir, comme ça on gagne un peu de temps. Hein. Ouais, de toute façon, à mon avis, on a de la marge, hein. Regarde le. Ah oui, oui. Donc, je pense qu'on doit avoir pas loin de 45 minutes dans les réservoirs. Ah, ok. Alors, le 5 degrés à gauche. 5 degrés à gauche. Ouais, je pense qu'ils sont là, les domaines. Ça fait une petite clairière. Et il faut que c'est pas mal, pour que tu aies contrôle 125 décimales 450, au revoir. 125-450, t'as pas mal grand. Alors je vois sa maison, je sais où il est lui. Là on a des étangs là aussi, t'as vu. Donc... Fox Bravo India, tu vois la forêt, ça fait un espèce de champ, oui. Une espèce de toute petite zone de forêt. Oui, là, la triangle est après. Mais lui il est là. Le triangle est après le forêt, à la fin de la forêt. Sur la droite, hein, quasiment en bout des hangars là, tu vois. En vis-à-vis du bout des hangars. C'est là qu'il habite. Et juste en dessous, là, à mon avis, on doit voir les domaines qui sont quelque part en dessous. Il y a un joie de l'eau. Donc le domaine, il est quelque part dans les arbres qu'on voit peut-être en pointu. Non, reste bien comme ça. Comme ça, je pourrais les filmer. On va y arriver dessus, là, a priori. En principe, c'est après la route, là. C'est quelque part là-dedans, donc le domaine de Cléry, c'est quelque part en dessous. Cléry étant la rivière qui coule par ici. Tiens, tu vois, c'est l'info de Fox, Julien, Julien, Charlie, Romeo, bonjour. Ok, ben le domaine, ça doit être quelque chose qui est en dessous. Julien, Charlie, Romeo, bonjour. Fox, Julien, Julien, Charlie, Romeo, NULM, deux personnes à bord au départ de Logne à destination de Pont-sur-Yonne. On est à 1500 pieds et on est à 5 minutes de votre thème. Alors, reçu Charlie Romeo est bien identifié, 70-50 au transpondeur, la TMA est déclassée en classe Golf. Oui. À convenance pour le premier. Bon, le domaine, ça doit être un trou. La TMA est déclassée, j'ai remis aussi copié, merci. Ok, tu vois les maisons, là, elles sont dans l'alignement. Éco-Québec, à nouveau, avec vous, on se dirige vers Sierra-Vaille. Dans 3, 2, 1, allez, virage à droite. Vous me rappelez pour... Et tu visites les maisons qui sont là. Pour rappel, pour pousser avec Melun, Éco-Québec. Et on se salue donc chez Olivier. C'est un point de passage obligé ici. Voilà. On est juste en face de chez lui. Ok, tu peux te remettre à plat, on est bon là. Voilà. On salue Olivier et on change de réservoir. Je reviens sur le principal. Ça tient. Off. C'est bon. J'ai off. Pression. Tout est dans le vert et on continue. Alors est-ce qu'il est dehors cet animal ou pas? Olivier, Monsieur Volcano, yeah! J'ai pas un klaxon pour aller faire bip bip. Voilà. Allez, maintenant tu peux viser... Tu peux viser Joigny. Mission accomplie. Bon, je le vois pas. Peut-être qu'il est devant, je sais pas. Bon, en tout cas, on a un point de passage là qui est nickel. Hein. Quand on le voit lui, on sait où on est.
Donc en gros, on est 1500, tu peux monter 2003 maintenant. Altitude, pas. Et on voit la butte de Joigny à priori. C'est pour cliquer, pour passer avec référence et en fonction. Reçu Niroméo, ce pilote transpondeur, vous pouvez quitter la fréquence. Bonne fin de vol, au revoir. Bon, merci, bonne chance. Donc on est passé à 12. Encore 100, 200 pieds. Bravo India, je suis la fréquence pour passer avec 3. Reçu Bravo India, 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter bonne journée. On a la ligne de Sens en face. Bonne journée. La centrale de Nogent. Du centre Éco-Québec, on passe avec Roland. Éco-Québec, on voit les autres centrales là-bas. On est en auto-info avec 121 dixième unité, bonne fin de vol, au revoir. On voit les deux centrales d'Angers et de... Auto-info sur 121 Éco-Québec, merci, bonne après-midi, à bientôt. Donc normalement, ouais, c'était du 111, donc si on est sur du 130, on va arriver. Bah tiens, regarde, c'est là-bas. Je vois le terrain Non, je vois pas le terrain, mais si, je vois le terrain maintenant, il est là-bas. Je vois Joigny, je vois la butte, ouais. Et je vois l'ouverture de cette avec le terrain. Oscar, bonjour. J'ai pas vu le terrain, bon, mais... Donc je vais quitter la flex là-bas, tu vises la vitre là et tu vas voir le terrain. Alors, sur ta gauche. Oscar Sierra et un autre appareil qui est appelé en même temps, quel est l'autre appareil? Hôtel Charlie. Hôtel Charlie, oui, répétez, j'ai pas compris. Donc là, tu vas pouvoir te faire une approche au petit oignon. Le PMA d'Orléans était actif. Négatif, elles ne sont pas actives. C'est noté, merci. Alors, que faire Charlie, je fais tout. Tiens, je demande d'être libéré de Paris Info et pour passer en transit, CMA5 en, direction de Fontainebleau. Négatif. Alors, quitte la fréquence après. Vous êtes identifié un trafic dans vos 1 heure. On voit le terrain, on voit la piste. Gauche, 400 pieds au Skyline, UL. Merci, on regarde. Donc, confirme-moi le type d'appareil Oscar Sierra. Sierra, Cessna 172, navigation Pont, Fonds-sur-Yonne, ensuite vers 60. Juste là. Écoutez Oscar Sierra. Le truc vert grand. On va tout foncer. On 7000, merci monsieur, au revoir. Il y a 3 minutes. Je vous dis de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Joigny de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, en Robin DR400, deux personnes à bord en provenance de Logne, à destination de vos installations. Vos installations sont estimées à 3 minutes, on rappelle dans 3 minutes, vertical 2300 pieds, X-ray Oscar. Voilà, il est dans l'axe. Il a dit quoi? Pas compris. Je vais prendre un peu le volume. De toute façon, on est sur 123,5 donc. Obéi, Fox Echo Sierra, en vente arrière 0. Il a dit quoi, quel... Je sais pas. À mon avis, vu qu'il est loin et qu'on voit rien, c'est pas ici.
Oui, mais quand même, pas de mouvement au sol. Attends. Le station Atlan, c'est quel terrain, s'il vous plaît? Alors, de Tango Hotel Vertical Terrain, 3002, j'ai intégré la vente arrière, poste 22, à ce moment-là. 22, c'est pas ici. Ah, ok, merci messieurs. Le X-ray Oscar à 1 minute de la verticale de Joigny, 2300 pieds à verticale de Joigny, X-ray Oscar. Merci, salut. Ah là, tu vas pouvoir nous faire un truc dans les règles de l'art. Donc le vent comme ça, donc a priori on confirme c'est la 08 qui est en service pour le moment par rapport au vent. Ouais. On verra la branche à air. Si c'est le cas, ça sera main droite derrière la ville. Ici ouais. On commence la finale à 1700 pieds. Et donc pour le moment je vais remonter la piste dans le sens d'atterrissage. On passe sur la base. On vire en bas de 08. 51 Fox, c'est Delta Alpha Bravo 1 VR 400. Fox, qui passe en Romeo, bonjour. Joignez Fox Golfien qui passe en Romeo, un VR 45 personnes à bord, on est au parking, on va rouler dans le point d'attente de la 26 à Joignez. On est arrivé par le bord, la destination de vos installations. Je rappelle vertical terrain dans 5 minutes. Florentin, le Fox de Bravo Charlie. Tango Hotel en vent arrière, piste 22. Sonner en Oxford. Joigny, je dirais la 08 en service pour l'atterrissage, je suis vertical. Donc je rappelle dans une minute, début de pente arrière à Joigny, X-ray Oscar. Parce qu'il y a un qui va décoller. Oui, Obseco Sierra, dernier virage 08. Il y a un qui va décoller sur la 26. Ah d'accord. Là, dans 21 à 22, je descends. D'accord. Une minute. Ok. On rentre derrière la ville là-bas. Et on est sur le central, nickel. Hein? Et on est vertical à 19. Hein. Ok. Et je descendrai après à 1700. Joigny le 9431, Alpha Bravo. Bonjour, Ampère 24 au parking. On va rouler vers le point de pente 08. De base 22, c'est pour en Oxford. Pour Joigny, vous confirmez la piste 08 en service, s'il vous plaît. Bon, le vent est calme, vous faites comme vous voulez. D'accord, je rappelle, dans une minute, début vent arrière, main droite sur la piste 08 pour en compter X-ray Oscar. Merci, monsieur. Je pense qu'on est bon, là. Ouais. Voilà, juste derrière la ville, je tourne. Sommet en Oxford, Tango Hotel Journey, virage 22, sommet en Oxford. Avant ou après? Avant. Allez, vas-y, hein. 60 degrés, yeah! Je vois personne, hein, je chauffe là. Hop là. Tout fond, chauffé. Tout faire. Alors, ok, joli. Pas toujours. Personne. Donc on a le terrain. On va faire info sans visuel, hein, Vincent. Ah, excuse-moi, c'est Cécile. On a dit que FE en vente arrière, c'est 259. 259, ouais. Alors, à plat, il vibre pas du tout, à gauche pas du tout, et à droite, il se met à vibrer plus que le noir. Je passe au numéro 1 à Mandreville. Bien reçu de l'autosphère noire. J'entends 0,5 sur 10. Mandreville, l'autogire noir, Julio Sierra Juliette pour une atterrissage verticale en
40, j'ai qu'une oreillette qui marche. Ça marche. Joignez de X-ray Oscar, DB vent arrière à 08 main droite pour un complet. Et on devine la piste à droite là-bas. Pardon ? On devine la piste là-bas à droite, ouais. Et derrière les arbres. Je vais parler de ça, de retour de local. Je vais m'intégrer en étape de base ma gauche sur le 04. En vent arrière, j'ai un cran volé, j'ai bien pour le faire on a les lumières allumées, alternateur, batterie, bof, J80, LME et 1700. Nous sommes à 2 minutes de la verticale, arrivé par l'est. Et au terrain, j'ai perdu le terrain de droite, juste à droite, dans l'aile, au fond de l'aile à droite. Oui, je vois. Arthur Seine, le Fox Air qui va pas, est en vente arrière pour la poussure. Comme tu m'avais dit, il est un peu plus loin derrière l'aile, pas beaucoup, c'est bien. C'est parfait, je vous ai ça établi en étape de base de ma gauche pour la 04. Donc la base, elle se fait sur les étangs qui sont là. Oui. Une vue d'ensemble. Là, on vient de passer le seuil 08. Okay. Didier de Charlie, anti-Victor, en vent arrière 2-5, droite. Et le sol, le terrain, il est à... Ah, ça, je m'en rappelle pas. 1650. Donc là, on arrive sur la base. Charles-Antoine, le Fox, bravo Charlie, au point d'attente 07, bravo, je m'aligne les écoles en vol, on est sur la base, en direction Semur. Fox, Victor de Foix, dans le secteur de Pithiviers pour un décès radio. 5 la radio. Merci, 5 également, merci. Joignez l'X-ray Oscar, je tourne en étape de base 08, main droite pour en compter. Dernier virage. Il fait 40. Contrôleur, Fox Zulu Québec, vertical 2800 pieds, avec un cap au 240. Joignez l'X-ray Oscar, je tourne en final 08 pour en compter. Pouilly de Fox Saint-Juliette, bonjour. Pouilly de Fox Juliette de Louvre Saint-Juliette, un ULMT 3 en provenance de Dijon-Barrois, destination de vos installations. Vertical du terrain estimé dans 2 minutes à 2900 pieds QNH. Je rappelle vertical. Il y a beaucoup de vent de droite, ça je sais. C'est bon, j'ai un peu de vent. Juliette Whisky, Oscar Charlie, bonjour. Charge noire de Oscar Charlie, UMXIAX, deux personnes à bord, secteur sud-ouest de l'UQNH. À destination de vos installations, à 4 minutes estimées, on rappelle vertical pour intégration. 78 nœuds. Berceau Sainte de Fox Alfa Romeo, de retour d'un petit nav en provenance de Chaumont. On va se positionner en vent arrière directement pour la piste 11. Ah, j'ai pas sorti le deuxième cran de volée, c'est pour ça. Ah, d'accord. Joignez et remis les gaz avec très haut de car. Joignez Fox Alfa Romeo, donc on attend pour remonter le 26 à Joignez. Il a dit on attend. Bah, on a remis le gaz pour un deuxième tour de piste, je vais trop vite. Je rappelle début vent arrière 08, main droite pour un complet. Désolé pour le retard.
pas de soucis. Papa Romeo, on décolle en 08. Et le 9431, le femme Bravo, on remonte derrière le Papa Romeo pour la 08. Voilà, c'est un oui, de Fox 102, verticale des installations, on se porte en vent arrière, main droite pour la 21. Saint-Florentin pour quitter la fréquence en 3440 pour Semir. Merci, au revoir. Ben quand tu as passé la ville à droite, là tu peux tourner. Ouais. Joignez l'X-ray Oscar, je tourne en vent traversier pour la 08. De main droite, il serait aussi un joint. Et j'ai oublié de sortir les volets, c'est pour ça. Ah oui. J'ai pas vérifié. J'étais concentré sur ce que je filmais du coup là. C'est que j'ai pas entendu la check. Non mais t'as bien, oui, quand t'as... J'ai surveillé la vitesse parce que je trouvais que c'était bizarre. Voilà, mais c'est bien, c'est quand tu m'avais dit que c'est... oui, très bien. Oui, Fox de Tango, étape de base 21. Je viens de trop formé, on est à ligne 08, on décolle à Joigny. Ah oui, tiens, ils sont tous les deux là sur la piste. Donc on va ralentir encore. Monte. J'avais envie de faire deux tours en fait. Ouais, je m'entraîne à exercer la remise de gaz. Un grand volet. Un cran à droite. Et je tourne à droite 259. Joigny le 9431, Alpha Bravo, on est à ligne 08 et on décolle pas. Vent arrière 11. DTV de Charlie Yankee Victor en phase pour la 25. Destination de l'installation, 3 minutes estimées de la verticale, rappel en vue. Hop, je le vois décoller. T'as mis l'aile devant. Ah là, le deuxième qui s'envole. Là. Oscar Charlie, vertical installation, on va se reporter en début de l'intérieur 05 main droite. Oscar Charlie, début droit AR 05 main droite. Joigny l'X-ray Oscar, je tourne en étape de base 08 main droite pour en compter. X-ray Oscar. À bord sur scène de Fox Alpha Romeo, on est en dernier virage. Pour la 11. Arrivé par le secteur Sud-Ouest. On va le Fox Victor 2 fois bonjour, un autogire provenance de Bixby, destination de vos installations. On est à 2 minutes des installations, je rappelle intégrément arrière. Je circule la fréquence au sud des installations vers Auxerre. Un peu haut là, non? On est un peu haut là, perdu seulement 200 pieds. Non, on va aller au Auxerre, Charlie, base 05. Joignez le 431, je vais en sortie de circuit de destination Auxerre. 2000 pieds, oui, la fréquence. Ah, ah. On est loin de Foxico Cuisette, en vue du terrain, je rejoins l'avant arrière. On est 500 pieds là, mais oui, c'est bien. Ok, deux crans, réchauffe-pompe. Passant 13-2.
Code Solar, Fox Zulu Québec, vertical 2100 pieds, nous repartons vent arrière 12 pour un complet inconnu. Angenois, Fox Juliette, Fox Suisse, Tango, bonjour. Angenois, ici Tango, avec les axes en provenance de Marseille, destination aux installations des deux à bord. Joigny de X-ray Oscar, je remonte la piste 08. Rémi, t'as visuel sur Guy? Ouais, j'ai encore visuel sur Guy. Et on s'est posé à 16h33. Plus de réchauffe, plus de volée. Joigny de X-ray Oscar, piste 08 dégagée, on en roule vers le parking. Voilà! C'est bon. Voilà. Bonjour, juste toi, c'était pas droit. Joigny X-ray Oscar, je quitte la fréquence. Bien. Attention, on roule, on sent. Ouais, non, je crois. Ouais. Si, on bouge un peu, je crois. Si, je oui, parce que c'est naissance, mais c'est bien parce que. Attends, non, pas encore. Il faut reculer. En tout cas, je voulais le reculer encore un peu. Ah, quoi. Si jamais, mais si le recul, ça. Il ne veut pas reculer tout seul, mais. Bon, ça t'a plu? Très bien. Attention. Ça fait chaque fois. Allez, un petit clac pour tout le monde parce que je ne l'ai pas fait au début. 3, 2, 1. Allez, on arrête. Alors, c'est celui-là. Donc, l'autre fois, quand on est arrivé ici, ils nous conseillaient de décoller de la 26. Ils ont déconseillé ? Non, ils nous conseillaient. Ah oui, ils ont conseillé. Même s'il y a un peu de vent arrière, ouais. Comme ça, on décollait de la 26. D'accord. Parce que là c'est la forêt, là c'est vide. Et... Là c'est vide, ouais. D'accord, mais c'est ce qu'on va faire. Bon, donc va... 35 on a dit. Alors à l'horamètre, t'es à 19,5. Alors ça fait 207. Allez, on 19. A décollé, oui. 0. Donc 2 heures. 2, 0. 7 et 19 minutes. 19 minutes, ouais. Et on a coupé à 16h. Donc 1h15, on a fait. 35, d'accord. Je peux? Ouais. Ah, on respire un petit peu. Ah, c'est bon. Ouais.
Exactement. Super. Cheese.